Les gardes. Cachons-nous derrière la tapisserie. Le moineau pépit, mais les tourneaux jasent. Et le corbeau, alors? Sa croasse. Le faisan criaille, la grue glapit et le paon, lui, il braille. La pie jacasse, l'alouette grisole et le pigeon roucoule. Et c'est tout. Et le rossignol, alors? Le rossignol chante. C'est facile. On a eu chaud. Ça ne va pas être simple à ouvrir. C'est la soirée des surprises. Tu vois ces corbeaux? Plutôt, oui. Ce sont les espions de Sakasori. C'est le signe que nous sommes tout proches de son laboratoire. Il détecte également une aura magique. Suis-moi. Nous allons longer le rebord de la fenêtre. J'ai déjà vu plus moche. Gérald de Rive, tu m'avais caché ta fibre romantique. En particulier un druide. Ça doit être un amoureux de la nature. J'avais le même à Kaer Morhen. C'est ça. Un chasseur le prendrait pour cible s'il le croisait en forêt. Il est plus vrai que nature. Oui? Il est plus vrai que nature. Cuvette remplie d'eau? Oui, pour la téléprojection. Le reflet de Sakasori apparaît en surface et les fidèles peuvent lui parler. Tout va bien? Je me suis coupé. La porte est verrouillée. Les animaux, ils sont vivants. Yen, attention! Fini de jouer, monstre. Ils approchent, je les sens. Ils sont partout. Thank you.
Que se passe-t-il ? Tu as eu des hallucinations. Tu t'es jeté sur les animaux de Sakasuri. J'ai dû intervenir. J'aimerais autant que cette histoire reste entre nous. Cela va sans dire. La porte est ouverte. On pourra continuer dès que tu auras récupéré les trophées de tes victimes. Entrons, Geralt. Je vais verrouiller l'entrée. Autant ne pas éveiller les soupçons. Et voici le laboratoire de notre cher druide. Cherchons bien. Le masque d'Ouroboros est certainement ici. Les contes de Skellige sur la chasse sauvage. Les habitants de Skellige croient que les fantômes voguent sur un navire construit. Une pomme de pin. Étonnant. Elle pèse son poids. Le monde merveilleux des insectoïdes. Un crâne d'enfant. Ah, bizarre. Regarde ça. C'est une carte détaillée des royaumes du Nord. Elle indique même les sphères d'influence au travers des siècles. C'est sans intérêt. Sakasuri doit placer quelque chose dans la main de la statue. Mais quoi ? Voyons si cette pomme de pin sert à quelque chose. Non, rien. Et pourquoi pas un crâne ? Oh. Moi aussi, je perds la tête. Il faut autre chose. Je dois continuer à chercher. Une épée dans la pierre. J'ai une furieuse envie de m'en saisir. Elle n'est pas enfoncée dans la pierre. Regarde, elle est maintenue par un étau. Une chèvre gravée dans une branche de tilleul. C'est signé pour Tonton Sakasuri. C'est comme ça que Ciri l'appelait quand elle était enfant. Ce laboratoire est digne d'un alchimiste impérial. Ces lectures sont du même acabit. Le cadavre de Novigrad par Sacha Adi. De l'hydromel nain, triple dose. Essayons autre chose. Et pourquoi pas une chope d'hydromel ? La statue a peut-être soif, après tout. C'était bien ça. Drôle d'idée, tout de même. Sakasuri aime s'amuser aux dépens des autres. J'ai comme l'intuition que le masque se trouve là-dedans.